Hey les Absoliens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je peux vous sortir, messieurs, dames. Enfin, on va pouvoir parler des meilleurs jeux, enfin du top 6 des jeux de la licence Skylanders. J'ai enfin tout refait en live Twitch et tout est en train d'être reposté sur la chaîne YouTube. Mais évidemment, si tu ne veux pas louper ça, évidemment, n'hésite pas à t'abonner. Sur YouTube, évidemment, venir me voir en live sur Twitch, c'est très important pour éviter de louper quoi que ce soit. Maintenant que l'introduction est terminée, plongeons-nous plus profondément dans les Skylands, ce monde merveilleux et féerique qui nous a tant fait rêver quand nous étions plus jeunes, enfants, adolescents, voire même encore maintenant en tant qu'adultes. Mais dans tout cela, au final, quel est le meilleur jeu? Au contraire, quel est donc le pire jeu, entre guillemets? Eh bien, nous allons voir tout cela ensemble. À noter que ici je ne vais parler que de la série principale sur console normale. On ne va donc pas parler des versions 3DS ou des versions racing, pour notamment pour Superchargeur. À noter ici qu'il s'agit d'un classement personnel et que du coup je ne détiens évidemment pas la vérité absolue. Mais voilà, je tenais à vous partager mon avis. Et évidemment, on va évidemment spoiler les quêtes principales, donc tout ce qui va être histoire, lore autour des jeux. Donc évidemment, une alerte spoiler est de mise. Et du coup, messieurs, dames, il est temps. Embarquez donc avec moi et nous allons découvrir aujourd'hui qui est le pire jeu Skylanders avec le numéro 6 qui sera, messieurs, dames, on va déjà mettre une chose au clair, non, Skylanders Superchargeur n'est pas un mauvais jeu. Loin de là. Il est même plutôt bon, agréable à jouer, comme tous les jeux Skylanders, mais clairement, comparé aux autres, il est en dessous, c'est clair. En soi, le scénario est excellent, peut-être un des plus solides de la saga. Chaos a donc réussi à prendre le contrôle des Skylands avec l'aide des ténèbres, et nous devons, comme dans chaque jeu, l'arrêter et reprendre le contrôle des Skylands. Et pour une fois, on a un point de vue où Chaos a réellement gagné. Alors tout ça c'est bien, mais concrètement, le jeu ça donne quoi? Eh bien, ça va du très bon niveau à potentiellement le pire niveau, tout jeu confondu. On a de beaux décors, certains niveaux ont un level design et une ambiance incroyable comme la chambre des anciens, des musiques aux petits oignons, des mécaniques intéressantes comme l'île des titans qui est selon moi très fun à jouer, ou encore la bibliothèque des mages voyous qui est clairement un de mes niveaux préférés, mais ça suffit pas. D'un autre côté, on a des niveaux horribles, mention spéciale à la terre des morts vivants qui est infâme, des niveaux qui sont clairement là pour faire du remplissage. J'attends toujours notamment de trouver l'intérêt du niveau du train des bandits qui n'apporte littéralement rien d'indispensable à l'histoire. Mais ce qui va plus me gêner au niveau de Superchargeur, c'est pas tant les niveaux, c'est la mécanique principale du jeu, les véhicules. Alors en soi, l'idée d'implémenter des véhicules dans le jeu est une excellente idée. Certaines zones sont même très bien à jouer. Mention spéciale au poulet géant dans le QG du Capitaine Cluck dans la zone de vol. Et en soi, la plupart des zones sont du bonus, non obligatoire. Sauf pour les véhicules terrestres qui sont beaucoup trop présents. Je dirais même omniprésents. Et si c'était seulement des zones classiques comme le reste, ça serait pas si dérangeant. Mais c'est pas le cas. La plupart des boss doivent se faire dans des véhicules. Stratosphere, Moneybone, Cluck, il y a même un niveau entier consacré à ça, et même les ténèbres, censées être le boss ultime de tous les jeux, on l'affronte dans un véhicule. Et c'est pour ça que j'aime tant l'île des titans. C'est un des niveaux où les boss ne se font pas dans un véhicule, et c'est bien plus agréable. Alors je sais que c'est normal d'avoir mis en avant la mécanique des véhicules, mais d'un autre côté, c'est tellement mal optimisé et frustrant que j'arrive pas à m'amuser sur ces combats, et j'ai toujours ce sentiment que ça aurait pu être mieux. Petite parenthèse, je conseille d'ailleurs aux personnes parlant anglais d'aller voir la vidéo de Skylanders Gamer TV sur Skylanders Superchargeur, qui est très bien faite, très bien expliquée, mais qui dure 3 heures. Donc voilà, si vous avez 3 heures à tuer et que vous voulez un bruit de fond anglophone, c'est très bien, c'est très bien. On a d'ailleurs parlé des niveaux, mais dans ce jeu, nous ne sommes pas sur des niveaux nominatifs, mais plus sur des chapitres qui composent l'histoire entière, et ce qui est particulier. Sachant qu'en plus, c'est le seul jeu de la licence qui utilise cette manière de définir l'histoire. On peut dire que du coup, dans toute la saga, Superchargeur est une sorte d'ovni. Ils ont essayé de changer beaucoup de choses et de tester, mais ça n'a pas donné les résultats escomptés, en tout cas pour moi. C'est un bon jeu, mais clairement, il aurait pu être mieux. Contrairement au numéro 5 de notre liste, qui était parfait pour l'époque parce qu'il s'agit de... Alors, je sais, je viens de dire qu'il était parfait, mais j'ai avancé exprès le fait qu'il l'était pour l'époque. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, il a vieilli. Et comparé au suivant sur la liste, il m'a moins marqué. Alors oui, c'est effectivement le premier jeu, celui qui instaure les bases, celui qu'on a tous eu en premier. Eh bien, ce ne fut pas mon cas, et cela explique sûrement sa place dans le classement. Je n'ai découvert Spyro's Adventure qu'après avoir joué à Trap Team, donc des années plus tard. J'ai donc pas la nostalgie du premier jeu et de la découverte que beaucoup ont, et donc je n'ai pas forcément le même ressenti par rapport à certains. Et vu qu'ici nous sommes sur un classement personnel, eh bien ça joue. Mais revenons d'abord sur pourquoi je trouve que c'était le jeu parfait pour débuter. On nous introduit bien le concept du jeu joué à la vie. Le scénario est simple mais intéressant. C'est le seul jeu sur lequel nous n'avons pas de difficulté à choisir. Elle monte de plus en plus au fur et à mesure du jeu.
Et je dois dire que ce système peut manquer, bien que cela reste agréable d'avoir le choix. Justement, concernant le scénario, Chaos explose le cœur de lumière et nous passons l'aventure à rassembler les différents morceaux pour le reconstruire. C'est simple et personnellement, ça me plaisait beaucoup de voir le cœur se reconstruire à petit, surtout avec les cinématiques spécifiques à chaque nouvel élément retrouvé. Mais quand on joue à Spyro's Adventure aujourd'hui, on se rend compte que la licence n'était qu'à 50% de son vrai potentiel. Aucune gimmick, aucune spécialité. On est vraiment sur la base de la base qui permettra aux jeux suivants d'être des bangers absolus. Mais lui, il lui manque quelque chose. Il a clairement vieilli quand on le compare aux autres jeux, que ça soit au niveau des graphismes, des catchphrases de Skylander qui n'étaient quasiment pas existantes, ou même incompréhensibles dans Spyro's Adventure, ou même au niveau du gameplay. Nous sommes quand même sur un jeu où nous ne pourrons pas sauter. Ce qui est une des bases du jeu vidéo, alors que ça ne sera qu'implanté qu'avec sa force. Et oui, c'est un défaut. Et je sens qu'on va me le reprocher avec un futur numéro dans la liste, mais... voilà. Je tiens quand même à rappeler qu'on est sur du ressenti, et je tiens d'ailleurs à vous dire que le classement à partir d'ici est excessivement serré. On est clairement sur du détail pour départager les places, donc je prends vraiment tous les aspects en compte. Et c'était d'autant plus serré que jusqu'à l'écriture de cette vidéo, j'hésitais encore entre Skylander Imaginators et Skylander Spyro's Adventure pour la 5ème place. Et si nous en sommes là, ça veut donc dire que le numéro... Dernier né de la saga Skylander, Skylander Imaginator se retrouve donc en 4ème place de ce classement. Honnêtement, le choix était compliqué entre lui et Spyro's Adventure. Déjà parce que je trouve que le jeu a quand même pas mal de défauts, mais reste tout à fait plaisant à jouer et apporte une plus-value certaine par rapport aux autres jeux. Déjà, le fait de pouvoir créer son propre Skylander est incroyable. Il y a plein de possibilités de tête, bras, jambes, ailes et j'en passe. Mais... bah derrière, l'équipement est assez limité, je trouve. Et on se retrouve vite à avoir les mêmes équipements sur plusieurs de ces Skylanders. Plus, les Imaginators sont pétés. Genre, trop pété. Ils peuvent excéder le niveau 50 si on a assez de sensei, ce qui est beaucoup trop puissant. En parlant des sensei, je trouve que c'est le plus gros potentiel gâché du jeu. Ils sont quasi inutiles, voire inexistants, car les imaginators sont juste trop forts. C'est pour ça qu'en général, je n'utilise jamais mes propres imaginators, je préfère les sensei qui sont pour la plupart stylés et qui ont bien plus de personnalité. Concernant l'histoire, rien de révolutionnaire, cette fois-ci, Chaos a la grande idée de créer une armée de Doomlanders pour pouvoir reprendre le contrôle des Skylands, et cette fois-ci, avec l'aide de nos imaginators et de nos sensei, nous devons l'empêcher d'accomplir son plan de domination. Nous serons ainsi aidés d'anciens personnages de la saga anciennement Skylander comme Spyro, Popfizz, Stealthelf, Eruptor ou encore Gilgrunt, ce que je trouve bizarre. Je sais pas, le fait de transformer certains anciens Skylander en PNJ, ça me dérange. On pouvait les jouer auparavant et même les jouer dans celui-ci, donc je trouve ça vraiment bizarre comme ressenti. En point positif, je retiens quand même les niveaux et leurs décors et ambiances, ce qui sont pour la plupart réussis, que cela soit les niveaux de l'histoire ou les royaumes sensei, même si j'avoue que les mécaniques de Fizzland m'ont bien saoulé. C'est quand même vachement dommage que pour jouer à certains niveaux, il vous faudra débourser dans les 300€ pour avoir une seule figurine comme Robo ou Wildstorm tout de même. Bilan des courses, un bon jeu qui fait son taf, ma foi fort court, il ne possède que 10 niveaux d'histoire notamment. Cependant, je trouve que rien n'est vraiment transcendant, on est dans du bon, c'est un fait, mais pas la crème de la crème. Mais nous allons y rentrer, car nous allons dorénavant passer au numéro 3 de ce classement qui s'avère être donc... ce n'est pas une surprise pour beaucoup, peut-être une déception pour certains qui espéraient le voir plus haut, mais c'est bel et bien Skylander Swap Force qui attrape la médaille de bronze de la saga. Déjà, on peut sauter, ce qui est un renforcement par rapport au jeu précédent. Et je sais, Giant c'est plus haut, mais voilà! Niveau scénario, c'est vraiment pas mal, voire un des meilleurs. Chaos cherche à maléficier un des anciens élémentaires pour prendre le contrôle des monts éclaircis et ainsi s'emparer des Skylands. Cependant, il ne sera pas évident pour lui d'y arriver, ce qui finira par faire intervenir sa propre mère, qui apparaît dans la saga et qui est dépeinte comme très puissante. Ce qui va m'amener à un des points négatifs du jeu, sa mère n'est pas le boss final. Alors qu'il y avait tellement de choses à faire. Je le trouve très sous-utilisé dans le jeu. Est-ce un problème par rapport au fait que les développeurs avaient peur de changer de grand méchant? Je ne sais pas, mais autant je trouve que le jeu est bon, autant il possède sûrement l'un des pires boss finaux avec Superchargeur. Mais à côté de ça, les niveaux sont créatifs, parfois colorés, parfois bien ternes. Ils ont clairement une ambiance particulière renforcée par les zones à thème pour chaque ancien élémentaire à sauver. On notera cependant trop de phases de tourelles dans certains niveaux, dont la fin de la forêt fantasmagorique qui nuit fortement au niveau en lui-même. Parlons maintenant du gimmick du jeu, les Swap Force. Pouvoir changer le haut et le bas des Skylanders, c'était incroyable. Et permettait des combos assez puissants, même si certains combos étaient bizarres. Surtout sur les figurines, notamment le bas de Outloop qui ne va avec quasiment aucune autre figurine. Ajoutons à ça les nouvelles zones swap qui sont des mini-jeux rafraîchissants par rapport à ce qu'on avait eu avant. Mention spéciale à la course et à l'escalade qui font partie de mes préférés, mais on va sûrement réserver ça pour une prochaine vidéo où je vous parlerai des mini-jeux Swap Force en eux-mêmes. Ce jeu est donc un must-have pour les fans de la licence, mais ici je rappelle que le cœur parle beaucoup.
et qu'on va donc maintenant rentrer dans le top 2. Ce top 2, messieurs dames, est indétrônable. Nous allons donc passer au numéro 2, le jeu de la découverte, celui qui m'a fait rentrer dans la licence. Alors, oui, on ne peut pas sauter dans le jeu. Oui, c'est un défaut. Et oui, c'est un défaut que j'ai reproché à Spyro's Adventure. Mais bordel, Skylander Giants, ma porte d'entrée dans la licence. Celui avec qui tout a commencé, celui que je referai n'importe quand, à n'importe quelle occasion. Sans Giants, je ne serais clairement pas tombé dans les jeux Skylander. On le compare souvent à un vulgaire DLC de Spyro's Adventure, mais il a tout en mieux. Des voice-like uniques pour les personnages qui les suivront pour toujours, des géants incroyables, Giants a repris ce que Spyro's Adventure avait implémenté et l'a sublimé. Les niveaux sont mieux et plus jolis, les boss sont plus recherchés même s'il n'y a pas beaucoup, mais la foreuse reste évidemment dans mon cœur. L'histoire, bien qu'elle n'est pas aussi visuelle que la reconstruction du cœur de lumière, reste tout à fait agréable à suivre. Chaos revient dans les Skylands et réveille un ancien conquérateur archéan duquel il prend le contrôle afin de trouver la cité perdue d'Arcus et le point d'Arcus. Déjà, j'aime beaucoup les niveaux. Revenir dans le passé pour le premier était une idée de génie notamment. Ils sont pour la plupart bien ficelés avec un thème bien particulier, mes préférés étant le niveau de la foreuse et celui de l'oracle notamment. Alors oui, il y a des casseroles aussi, je pense au niveau en hélico et le village Willikin, même si je sais que beaucoup de monde adore ce niveau, je peux vraiment pas. Mis à part ça, Giants ne révolutionne quand même rien au niveau de la licence, et on ne pourra même déplorer le peu de réels nouveaux Skylanders qui sont au nombre de 16, 8 géants et 8 Skylanders de base. Le jeu proposera cependant des rééditions d'anciens personnages et de personnages lightcore, qui brille sur le portail et lance une attaque foudroyante en arrivant. Au final, il n'est pas le meilleur, que ce soit dans la technique ou dans les mécaniques, on pourrait même dire que le maître deuxième est un caprice nostalgique. Et oui, totalement, mais c'est ma vidéo, j'assume. Mais bon, il reste une dernière entrée dans ce top, vous savez déjà de quel jeu il s'agit. Il s'agit pour moi du meilleur jeu Skylander, et il s'agit de... Ce n'est nullement une surprise pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, Skylander Trap Team est selon moi le meilleur jeu de la licence et de très loin. C'est vraiment pour moi le prime de la licence, il reprend tout ce que ses trois prédécesseurs avaient implanté pour les sublimer. Les graphismes sont beaux, bon sauf sur Wii mais ça voilà. Le jeu a peut-être la meilleure durée de vie de toute la licence, 18 niveaux et 4 niveaux bonus d'environ 45 minutes, 1 heure chacun. De nombreuses activités sur le lobby de base, comme les chansons d'escalette, le mode chaos qui est vraiment sympa, ou encore les trésors légendaires qui changent l'aspect de la map et déroulent parfois des zones secrètes, ce qui fait du bien pour le coup. Les niveaux sont variés, souvent regroupés par thème vis-à-vis des méchants que l'on doit capturer. Et en parlant de ça, le jeu introduit selon moi la meilleure gimmick, le fait de pouvoir capturer et jouer les méchants du jeu. Plus d'une trentaine de méchants et de gameplay différents qui ajoutent une plus-value au jeu, en plus de permettre de jouer des personnages phares à la licence comme Chaos ou le champimage. Les Trapmasters de leur côté sont sûrement les meilleurs designs d'équipe avec leurs armes en Traptanium qui ont un avantage sur ces mêmes méchants. Je regrette cependant que les portes élémentaires ne sont uniquement ouvrables qu'avec les Trapmasters. Mais bon, il fallait bien renflouer les caisses d'Activision, ça m'étonne pas. On a selon moi dans ce jeu le meilleur scénario. Chaos libère les maraudeurs de prison pour faire équipe avec eux et s'emparer de Skyland. Les maraudeurs ne sont pas de cet avis et trahissent Chaos qui finira par nous aider à les arrêter avant d'évidemment nous la mettre à l'envers et activer son arme ultime. Ce qui nous mènera justement au meilleur combat de boss final, tout jeu Skylander confondu et surtout le plus difficile et épique. Je peux dire que même en normal, le combat est loin d'être simple et c'est vraiment un bon côté. Pour conclure sur Trap Team, il est pour moi celui qui arrive à faire ressortir le meilleur de la saga Skylander, tant par ses mécaniques que par son histoire et son gameplay. Et on est clairement sur le pic de la licence. Avant de clôturer cette vidéo, il y a un élément phare de la licence dont je n'ai pas parlé, que je n'ai pas voulu prendre en compte dans les critères de classement, ce sont les musiques des jeux. Et pour une simple raison, elles sont toutes incroyables et ne se dépassent en rien d'un jeu à l'autre, car on a toujours des éléments musicaux qui sont repris d'un jeu à l'autre. Ce qui fait que je n'ai pas voulu les comptabiliser car ça n'aurait rien changé au classement, mais je voulais tout de même parler du travail incroyable des compositeurs du jeu, dont Lorne Balf, qui a fait un travail incroyable sur la BO des jeux. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour le soutien. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à me donner ton classement des jeux, évidemment dans le calme et la bienveillance. Si jamais tu veux plus de contenu Skylander, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper. Tu peux aussi me rejoindre en tant que membre soutien au prix de 3€ par mois pour avoir des petites emotes et des petits badges en plus dans les commentaires. Et évidemment, si tu as envie de venir voir les lives Skylander ou même les autres types de lives, tu peux me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description et tu seras évidemment toujours le bienvenu. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était André Lapsol, passez une excellente journée ou soirée. Tchuss tout le monde.